Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, enfin le temps commence à être un peu long vu qu'on est coincé à la maison. Mais bon, heureusement qu'on a les jeux vidéo. Donc voilà, on continue notre saga sur Dragon Ball. Donc allez, c'est parti. Bon, ayant eu un petit souci vidéo, la suite de cette épopée sera en voix off, parce que pas trop de choix, donc on va commencer tout de suite notre combat avec Raditz. Donc c'est parti. Bon, allez, c'est parti, on va essayer de le fumer, ce Raditz. En tout cas, ça va être pas la même chose, mon Dieu. Allez hop, on va tout de suite essayer d'enchaîner pour le massacrer tout de suite avec quelques petits coups. Allez, allez, vas-y. Là, j'essaie de le repousser. Alors, si j'appuie en appuyant sur L1, vous avez les coups spéciaux. Vous faites L1, triangle, carré, rond ou X, puis vous avez directement les coups spéciaux. Par contre, il faut bien faire gaffe à sa barre de ki qui est sous notre barre de vie. Elle se recharge automatiquement, mais si vous la videz, après vous n'avez plus de patate. Hein. Donc un petit coup, allez. Bon, il est quand même une puissance, il a quand même X5 en vie, donc c'est quand même pas mal. Hein. On esquive le maximum en téléportation, on tire un peu plus vite, de se prendre plein dans la gueule, parce que sinon, je sens qu'on va s'en ramasser. Oula, là, 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 non, allez, hop. Vendu. Allez, 200, plus de 200. Allez, descend. Voilà, je suis pas mal là. Mais ça enlève une chier, c'est cool ça. Allez, un petit coup de téléport pour éviter de s'en prendre plein la face. Ok, le corps à corps, c'est pas mal aussi, hein, mais. Ouais, c'est. Ouais. Allez, vas-y. Allez, un petit coup. Ça fait mal ça. Très mal. J'ai bientôt plus de vie. Ah, sinon ça va, j'ai encore un bout. Allez, on y est. Qu'est-ce que ça enlève? Ouais, c'est déjà pas mal ça. Par contre là ça fait mal aussi. Allez, encore petit. Il a plus que 2 barres de vie. Voilà. Bien, j'ai chargé à fond mon ki là. Alors si jamais quand vous avez chargé la barre de ki à fond, vous avez une espèce d'aura autour. Dès que vous utilisez un pouvoir, elle a beaucoup plus d'impact et de puissance. Oh bah voilà, c'est fait. Ah, en plus niveau supérieur, c'est bon ça. Ah, je la sens pas là par contre. Je sens que ça va faire mal. Ah bon, bah il fout le camp. Bon bah tant pis hein. La prochaine fois. Alors, rappel de l'histoire. Soudain sorti d'une étrange capsule spatiale, un homme énigmatique, doté d'une queue à l'instar de Sangoku, fait son apparition peu après l'atterrissage. Il remporte un combat contre Piccolo, l'un des plus grands guerriers de la Terre. Wow, on l'a quand même battu, hein, bien que on s'est pas pris une grosse raclée non plus. Hein. Donc on va voir ce qu'il en est pour la suite. Tiens, on se retrouve à Kame House, c'est juste. Ah, tiens, bah voilà Raditz qui se pointe.
成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ん？カカロット、この星のありさまは何だ？人類今まで何を遊んでいた？おめえ、一体誰だ？何者なんだ？Ah oui, tu le connais, c'est toi, Kakarot, patate. Tu as oublié que tu es un homme. サマはこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところには、お前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことに、この星にも月があるしな。 もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があるから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが、我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。 そんな奴ら最低だ。ほら、ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人は、お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。 ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。墓行ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。 なるほどね。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。 Bon, c'est parti, Shank, on va se faire un petit combat. Allez, c'est parti, on va le fumer, ce Raditz. Allez, on va tout de suite essayer d'esquiver le maximum parce que... Ouh, le Kamea, mais j'ai merdé là. Ouh, Shank, ça va faire mal. Ouh, c'est pas bon ça. Allez, on se téléporte, ce sera plus facile. On va essayer d'esquiver le max et foutre des coups dès qu'on arrive devant. C'était pas mal, petit truc, mais pas ce que j'attendais. Hey, il est plus costaud que contre Piccolo. Hein. À chaque fois, on s'en prend plein la tronche. Il nous enlève chaque fois 200 de vie, ça fait mal. Hein. J'ai essayé de faire le ki au max, mais il vient directement dessus, il attaque direct, hein, cet enfoiré. Ouais, putain, c'était pas loin. La frappe corporelle, elle était pas loin, mais presque. A chaque fois qu'il tape, il fait vraiment mal. Il en a chaque fois 200. Ouh, putain, j'ai reçu le Kamehameha. Bon, j'ai cru. C'était pas mal. C'était testé. Hein.
Allez, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, tiens, ramasse, vas-y. Voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Moi, j'ai réussi à bloquer une attaque, c'est déjà pas mal. Il a dit ce qu'il avait à la concours. Voilà, tu apprends ça, ramasse. Ouh, non. Ça, c'était pas mal, c'était bien lancé, mais pas suffisant. Hein. Il est comme costaud. Ah merde, j'ai quasiment plus de ki. Je suis à sec. Voilà, qu'on gaspille trop. Après, on est tout flasque. Ah, ça, je l'ai eu. Waouh, c'est pas possible. Ah bah, c'est bien ce que je disais, que j'allais m'en prendre plein la gueule. Ah, ça a dû faire mal. カカロットよ。子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供か。さからをなどと考えても無駄だぞ。 Ah ouais, ça suit bien l'animé en tout cas. Hein. On s'est fait décalquer la tronche et il est parti avec notre gamin. Tiens, ah oui, juste. Piccolo qui arrive. でもこの俺でも、まともに太刀打ちできる相手ではない。だが、俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。 俺が世界征服するには、奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。剣道二人が組むっちゅうとこまでいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。 Oh tiens, Sharon. Quoi? Moi contredit les lettres A et puis Piccolo contredit S. Oh, c'est que j'étais mauvais. Hein. Alors, récompense, il y a quoi? Boussole, tablier, livre pour adultes, urne sophistiquée et texte sacré des arts martiaux. Pas mal. Voyons voir. Tiens, j'ai reçu un petit objet. Vitajus. Un petit jus Vita. Boisson guérie rapide. Alors, faut qu'on... Objet de récupération sur ta palette. Avec le... Sur la télécommande, vous avez... Le haut, bas, gauche, droite. C'est la palette, ça. Donc, on va pouvoir assigner... le Vitajus. C'est pas le bon bouton. Voilà, on a confirmé et on va le mettre, allez, sur lequel? Triangle, carré, voilà, le carré c'est bien. Ou sur le X en bas, comme ça on a juste, vu que c'est le bouton qu'on utilise le plus. Voilà, non. Voilà. Ah, les petits nuages pourraient être pour suivre Raditz, vu que à première vue on a encore un peu de peine à voler.
L'équipe de rêve de la Terre. Alors, personnage du soutien. À partir d'un certain moment dans l'histoire principale, tu voyageras en compagnie et combattras avec des alliés. Ces personnages de soutien peuvent t'aider durant le combat, alors ne les oublie pas. Ouais, c'est en fait, c'est cool. Action de soutien. Pour qu'un personnage de soutien exécute un soutien d'attaque spéciale en combat, maintien R1 afin d'ouvrir la palette de soutien et appuyer sur X rond carré triangle pour utiliser l'attaque assignée à cette touche. L'icône sera ensuite assombrie, il faudra attendre un peu avant de pouvoir de nouveau l'utiliser. Utiliser un soutien d'attaque spéciale remplira également la jauge de soutien pour ce personnage. Ok. Lorsque la jauge de soutien d'un personnage est à moitié pleine, il te viendra automatiquement en aide offensivement, défensivement ou d'une autre manière. Le type d'aide d'un personnage de soutien dépend de ton style, il y a trois styles différents. Ok, en plus de l'amitié avec ces personnages est élevée, plus la capacité de la jauge sera élevée. Ça c'est déjà pas mal. Donc Goku c'est en offensif et Piccolo c'est en défensif avec le petit point sur la tronche et le petit cœur là, pas le petit cœur, le petit bouclier. Et Krillin, il est quoi? Personnage spéciaux, c'est en restaurateur de PV et de Ki. Ok. Donc maintenant je peux voyager vers d'autres zones. Tiens, ça c'est sympa. Déplacement en zone. Tu peux te déplacer vers d'autres zones en appuyant sur la carte du monde. Consulte-la en appuyant sur triangle. Quand tu es sur la carte de zone, en te déplaçant au bord du terrain ou en t'envolant. Ok. En plus on a encore le petit radar en haut où on voit où on est. À la poursuite de Raditz. Bon bah je crois que on va arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois on va faire notre petite bataille contre Raditz. Donc la prochaine fois que vous avez pu voir, ça sera contre Raditz qu'on va se battre. J'espère que j'aurai plus de problèmes de caméra parce que j'ai eu un petit problème de caméra pendant la période de jeu. Donc j'espère que ça va être résolu assez rapidement et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.